Lotofoot, d'après vous, qui est premier du Lotofoot? Oh, bah, ça doit être toi, Difool. Comment t'en parles? Eh non, c'est moi. Oui, oui. Vu comment t'en parles, ça doit être toi. Ah, bah oui, c'est moi, mais oui. Bon, je vous donne les résultats, tu vas voir, Mehdi. Dernier du Lotofoot, d'après vous, dernier, c'est qui? Oh, allez, Samy. Je pense que c'est moi. Parce que comment tu fais pour être tout le temps dernier? C'est vrai, cette année, gros. C'est ouf, ça. Parce que des fois, on rigole, t'es tout le temps dernier. Mais là, cette année, je dois reconnaître. Il y a 3 Lotofoot sur 4, Samy, c'est dernier. Sérieux? Mais c'est un truc c'est de dingue. Fou, ça. Mais je sais pas pourquoi. C'est... Avec 3 points seulement. Mais je sais pourquoi, en fait. Parce que déjà, je perds 2 points parce que je mets tout le temps contre Paris alors que Paris gagne tous leurs matchs. Et que je mets tout le temps l'OM alors que c'est une équipe de beat fini que j'ai jamais vu ça. Et qu'on perd. Vous avez pas perdu, vous avez fait match nul. Ouais, le match à l'arrache, s'il te plaît. Horrible ce match. Quoi. Ah, ils m'ont gonflé l'OM, moi. Donc, dernier. Franchement, ils m'ont gonflé. Tout seul dernier. Hein. Avec 3 points. Ah, bah voilà. Ah, c'est pas que mal. Pour toi, la place. Je peux pas être très loin. 8e, Samy. 7e, en effet, Marie. Toute seule, avant-dernière. Non, mais ouais, j'ai 6e, vu le résultat. Karim. Bah, c'est pas brillant, dis donc, Karim. 6e. Combien tu as de points, Karim? C'est 6e, ouais. C'est la honte. Mais non, c'est pas possible. Ça veut dire que devant toi, il y a Romano, il y a Cédric, il y a Momo, il y a moi. Les pros du foot, quoi. Il y a Mehdi, les pros du foot, ouais, c'est clair. Que des gens qui connaissent grave. D'ailleurs, moi, je remercie au passage mon fils qui m'avait donné un coup de main là-dessus. Ah bah, il est bon au foot, dis donc. Putain, il adore le foot, merci. Ouais, voilà, trop fort. Il retourne à la danse. Ouais, voilà, ouais, qu'il fasse du tutu. Après, tu le laisses tranquille. Après, on passe directement à la 3e position. Et, et voilà, là, ça, c'est quand même un autre niveau. Là. Attention, accroche-toi, Romano. Tu es 3e à égalité avec Momo. Oh putain. Et à égalité avec Cédric. Oh, 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 putain, le trio de choc. Il m'étouffe là-dedans. Bon, je vais remonter d'une place. Aussi. Tu peux pas. Bah, si, je vais remonter ou descendre. Je sais pas. Troisième à égalité, Momo, Romano, Cédric, 6 points. Vous avez 6 bonnes réponses. Putain. Le double de Samy déjà. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. C'est un truc d'ouf que j'ai. Sur 9 pronostics. Putain, pour un mec qui connaît rien de foot. Franchement, moi, je suis fier de moi. Ouais, moi aussi, putain. Continue là d'y aller comme ça au pif. Pas mal. Je suis pareil, gros. Ensuite, on a Mehdi. Bravo Mehdi, 7 bonnes réponses. Ah, pas mal, ah ouais. Félicitations. Ça mérite un bip-bip, là. Ah, bip-bip aussi. Ah ouais, ouais, c'est bien. 7, les gars. Mehdi et Difool, les premiers avec 7 bonnes réponses. 7 bravo, bonnes Difool. Réponses, mais sur des meilleurs matchs. Ouais. Bien sûr, bravo Difool. Bravo. 7, c'est le meilleur score pour ce Lotofoot. Bravo. Bravo. Bravo, bravo, champion. Bravo. Et Momo, ils sont où les gagnants du net? Ah, ils vont chercher. Bon, bah voilà, en tout cas, c'est pas mal, mais c'est même super bien, Mehdi, bravo, hein, pour un premier Lotofoot. Eh voilà. C'est parce que je t'ai suivi, ça. Eh, merci, ça me fait plaisir, ça me touche que tu dises que tu suis, mais pour nos équipes footballistiques, bien sûr. Et des millions d'euros à gagner à chaque Lotofoot, hein, sur Skyrock, bien sûr. Et le meilleur. Il y en a deux qui sont meilleurs. Ouais, t'as raison, ouais. Dominique da Silva. Et Lotofoot 2013, 8 bonnes réponses chacun raison. Ouais, bien joué. Ils ont fait une erreur, une seule. Ah, bien joué les gars. Bon, on n'a pas de 100%. On vous offre un gros cadeau s'il y a un 100%, mais là, pas de 100%. Eh ben. Bravo Mehdi en tout cas. Eh, il faut que je peux dire un truc. Vas-y, vas-y. Mercredi, il faut voter Romano. Ah, c'est dit, le message est passé. Ah ben, le message est bien passé. Je peux redonner mon Instagram, j'ai donné vendredi, non, je peux redonner. C'est pas la peine. Pourquoi tu veux pas? C'est trop tard, il a déjà donné. Il laisse lui donner son Instagram. Bah non, moi je veux pas. Allez, vas-y, donne ton Instagram. C'est machin avec les 3 tirés en bas, c'est ça? Voilà, c'est Mehdi, M-E-H-D-I, avec 3 tirés du bas. Et voilà. Et bah ça y est, c'est fait, Mehdi. Eh bah Mehdi, le message est passé. Et reviens quand tu veux pour ton Lotofoot.